tous pour un nouvel épisode de Pokémon Origine, épisode 7, si je dis pas de bêtises. Dans le précédent épisode, nous avons accepté une quête d'une dame, qu'on devait récupérer sa fille. On va regarder ça. Voilà, recherche en forêt. Une femme a perdu sa fille dans la forêt d'Eden. Doit parcourir. Ouais, bon. Il faut qu'on retrouve la fille. C'est vrai que la récompense est assez intéressante. Et aussi, on avait vu Harrison se battre pour attraper un... comment ça s'appelle ? Un incitateur. Donc, voilà. Nous avons deux objectifs aujourd'hui. Oh, Nidoran. Chaîne Pierre-Lune. Pierre-Lune, Nidoran. Ouais, mais bon. On a déjà le niveau de type. Ça. Sont très contraignantes, on ne peut pas on reste se perdre encore plus facilement dans la forêt. Ok, bon, c'est vrai que cette forêt a l'air d'un labyrinthe, quoi que ça va pour le moment. Je te joue, je suis heureux de vous d'être avec vous pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous plaira. Donc c'est on tient tête à un épisode par jour. On y arrive, on y arrive actuellement. C'est dur, mais on y arrive. Je suis vraiment fier du nombre de vues, je suis très content. Parce que c'est quand même assez conséquent, quoi. Je crois qu'on a à peu près 10 vues en une journée, c'est pas mal. C'est moi. Donc voilà. Bon, Harrison, tu vas être par là, donc. Ça me fait penser à la forêt près de... Comment ça s'appelle? Acacia. La forêt, pas de jade, la forêt... La forêt, on peut avoir Celebi dans le Thunder. Avec un morceau de bois où on essaie d'avoir coupe. Avec un artichaut. Donc ici, s'il y a des Pokémon, on va envoyer Chevenir. Toi, t'as besoin d'XP, hein, Chevenir. Bonjour. J'adore me voir dans cette forêt. Allons-y. J'espère donc que cet épisode vous plaira. Larvaillette. Choc mental. Déjà, si tu es plus rapide que moi, ça va me poser problème. En plus, on fait pas très... Oh, ça va. S'il est confus, il y a des chances. Ouais. Ça va. Ah, il envoie qui, Chenipan? Eh ben, ça me dérange pas plus. On va faire espérer un peu notre Pokémon. Mais elle est quand même rapide. Non, je me dis bien. T'as raté. On va baptiser tout, on va envoyer. Piste là-haut. Normalement, ça l'achève. Ah non. Au moins, on va gagner l'XP tranquillement. Hop là. Toi, tu passes niveau 13. C'est bien. Paras. Rhino Tornano. J'ai pas envie de traîner contre lui. C'est vrai que lui, il a post-sport. Ah, ça va être embêtant. Là. Eh non, t'as raté. Eh ben, allons-y, écrasement. Non, Vaillette, on va envoyer Chevenir. Allons-y. Non, choquement piqûre. Aïe, ça fait mal, ça. On va changer de Pokémon donc. Allez, on va y aller. Critical. Vous êtes sûr que c'est pas très efficace? C'est fort en fait, un larvette purée.
Franchement, un larveillette ne m'a mal notre type. C'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique ça. Hop là. Voilà. Donc on passe par là, on peut passer par là. Bah vas-y. De toute façon, ça fait dans tous les cas, on va t'affronter, ça c'est toujours utile. Oh, cool. On va envoyer Dino Féroce. Il y a que lui qui peut tenir tête en ce moment. Oui, je sais, je devrais faire exprimer Pokémon, mais je n'ai pas le temps. J'essaye de filmer juste là. Réussi un écrasement, mince. Merci. Maintenant, tu réussis un coup de temps. Tout le temps de réussi. Petit gueule à toi. C'est pas grave. Point karaté. C'est pas grave pour lui, mais les autres ne reçoivent pas d'SP donc. Ah si. Yes, étape en tournade, ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bien. Morsure, ça va te mettre dans le rouge, non même pas. C'est bon là. Ah, il a une baie. Oh là. Tu me saoules un petit peu toi. Un peu beaucoup tu me saoules, ton chou. Eh ben tiens, tu te tais. C'est tout. Je le relâche, je le referme. Ouais, bon, c'était vraiment inutile, mais bon. J'avais vraiment besoin d'SP, donc. Je te tiens pas rigueur. Allez-y, hein. C'est bien gentil, vous. Et ben, il y a un mois, quand j'ai été dans mon sommeil. Intéressant. Oui, c'est Switune, je l'ai déjà vu. Deux herbes rappel. Nous revoici donc dans l'épisode. Un instant, j'étais un peu paumé. Ah oui, c'était. Petit champi.
Eh ouais, mais où on passe là maintenant? C'est bien beau, mais... savez quoi, j'ai utilisé... Je vais faire ça. Attends, je cherche. Bien sûr, ça va repousser plus jeune sauvage. Ah oui, ok, par là. Non, déjà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je cherchais le chemin, bah, j'étais un peu bête sur ce coup. Et c'est un chenipan. Youpi, oui. Vive les chenipans. Je cherche déjà une fille, hein, madame. J'espère que c'est pas un combat. Ah là ça me va. Combat de débarras. Et c'est toi ce qu'on gagne avec cette quête? On a 7 ou quelques têtes hein. Inconnu. Ah bon. Partons à chasse au paras aussi. C'est-à-dire on est sur le bon chemin. On voit des petits... paras, paras, paras. C'est sympa, ça me va. Ni d'or. Bon. Je sauvegarde un petit coup en cas de bug, encore une fois. Sauvegarder, oui. Hop là. Petit champi, ouais, cool. Un pêcheur. Bizarre. Si c'est un para, ça me va. Et c'est un chenipan. Promenons-nous dans les bois. En un braquage. Pardon. Ok, monsieur, ben, je vais vous laisser. Je vous laisse dans votre méditation. Peut-être raison. Si c'est calme, il faut que ça reste. Mais où est Harrison? Où est la fille? Où sont les paras? J'ai un peu trop d'interrogations pour être calme, alors. Ça nous rapporte un peu d'argent, moi. Une maison. Une hutte, c'est bizarre. Qui habiterait dans un endroit pareil? Oh, mais bien sûr. Je n'en reste pas, je rentrerai ces confréries. Ah oui. Mais oui, Rhinotorn. Une jambe. Mais Rhinotorn, il faut combattre les méchants. Ah oui, ça va, je t'ai apprivoisé toi maintenant. Un petit combat, ça faisait un peu longtemps, je dirais. Un peu beaucoup, même. Allons-y contre vous, madame. J'ai mon Rhinotorn qui est là, qui attend ça de se battre. Allez. Mister, eh ben, envoyez votre Mister, madame. Sans souci pour nous. Rhinotorn.
Merci. Un instant, je vous prie, je vais moucher. Bon, me revoici donc, Rhinocorne, en action. Ça fait pas mal à Rhinocorne, ça. Allez, tiens. On va changer écrasement. Donc, épisode 7 aujourd'hui. Nidoran. Allez, on va envoyer Chevenir. S'il meurt pas, montre-toi digne, Chevenir. Déjà, t'es rapide. Et ouh, et tu fais mal. Et il est ton flux, laisse-toi. Chevenir, c'est bien. Chevenir, oui, Chevenir, Chevenir, président. Allez. Ah, mince, j'ai pas vu le Pokémon. Enfin, j'ai envoyé. Allez. Non. C'est qui? Tu sais, Routoul? Non, Postigeon. Ouais. Tita, Hypnose. Ouais, ça, normalement, ça, tu résistes. Mais si tu rates, ça va m'énerver longtemps, ça. Hypnose. Donc, je réfléchis, pistolet où ça te fait mal, toi, quand même. Pose un pochon. T'es pas Dieu. Ouais, bon, ça va. Là, il nous manque plus qu'un Pokémon électrique. Et on aurait à peu près les bases de tout ce qu'il nous faut. Allez. Écume. Je pense qu'on va continuer encore un peu l'épisode et après on s'arrêtera là tranquillement. Ah, et s'il me baisse mon attaque, ça va pas très le faire longtemps, lui. Allez. Oh, Ashtao, c'est tranquille. Damn. C'est toi l'enfant? Non, c'est pas toi. Non, elle peut pas rentrer là. Toi, t'es une dresseuse. Bon. C'est vrai que cette forêt est quand même longue. Hein. La forêt d'Éden est très très longue. Chinchidou, première fois qu'on le voit lui. Et de une, ça fait pas mal. De deux, ça fait pas mal. De trois, ça fait pas mal. Écrasement. Alors là, il baisse bien mon attaque et ma défense. C'est un duel à la sang. Ah, ok, t'avais un seul Pokémon, mais il était souvent, hein, ton Pokémon. Pardon. Où sommes-nous dans cette forêt qui devient très énervant? Mais. Tous les trois pas, ça m'énerve ça. Ah, passe. Ah là, faut le tuer. Rhinocorne. S'il te plaît. Coup de corne. Self met KO. Oui, et demain. Et tu prends un peu d'XP en plus. C'est un Paras. Paras. Oh, c'est le clan à Paras ici. Coup de corne, ça le met KO. Et là, tu passes niveau 21. Dun. C'est quoi? Rimas? Ça sert à quoi, Rimas? Fais baisser la vitesse. Ah, oh, bah non.
Genre, en fait, t'apprends une roulade, hein, par exemple. Ouais. Ah, dis donc, cette forêt est très longue. Hein. Quand on disait que c'était facile de se perdre, là, je commence un peu à y croire, hein, ceux qui disaient ça. Allez, ne les suspends pas. Mais bon. On va faire ce vrai. On va faire ce dresseur et on va arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense qu'on aura bien travaillé. On aura fait une partie de la forêt, je pense. Bramolos. Ouh. Tiens. Ça te fait mal, ça? Plus de ouais, ça va. Pistolet. Oh, ça fait mal, ça. Oui, ça fait très mal. Ça va. Normalement, t'es KO. Oui, c'est bon. Nidoran, on va envoyer Chevenir. Je te fais confiance, Chevenir. Ok. Chevenir, t'es morte. Rhinotorn, autre envoi. Fury, ça te fait. C'est le mec à où normalement au bout de 3. De Fury? J'aurais dit 3, mais bon. De Fury, ça la suffit. Tant mieux, on va me dire. Pas poison. Mince. Aïe. Normalement, j'ai acheté un antidote. Voilà, et on en a un antidote, on va l'utiliser. On va soigner un peu nos Pokémon quand même. On sait pas jusqu'à quand on dure notre truc. On va encore avancer un petit peu, on va voir. Je sais que ça. Ah, tiens. Ah, c'est pour la petite fille. Il faut rencontrer encore 3 paras. Ah, les deux missions sont liées. Intéressant. Très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir se quitter là. Eh ben, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bon, je vais peut-être bientôt tourner la suite, mais bon. J'ai certainement tourné la suite, hein, mais bon. Je vous dis bien à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde.